Alors aujourd'hui, les métiers porteurs sur le BTP, vous allez en retrouver trois dans grosses œuvres, les coffreurs blancheurs, les maçons canalisateurs et les maçons VRD. Et sur la partie seconde œuvre, nous allons retrouver les menuisiers bois, les plombiers et les métalliers serruriers. Alors vous avez sur le territoire une multitude de centres de formation. Pour vous en citer quelques-uns, vous allez retrouver Compétences BTP, le CFA et Mille Picots, les Compagnons du Devoir du Tour de France ou même encore Format Sud et Artec Formation qui se trouvent à proximité. J'ai trouvé un centre de formation à Gardanne qui s'appelle BTP Muriel. Et là, j'ai appris la matière de coffreurs blancheurs. Pendant un mois et demi, j'ai fait le coffrage avec manu portable, j'ai fait aussi le coffrage traditionnel et après j'ai appris la façon de travailler en France. Le BTP est l'un des domaines qui recrute le plus d'apprentis et qui offre sans doute la plus grande variété de formations et de métiers. Plus de 50 000 apprentis par an sont formés dans les métiers du BTP, tous métiers confondus et toutes formations confondues. Alors oui, l'alternance est vraiment le must de la formation puisqu'il permet d'acquérir à la fois de la praticité et de la technicité en alliant l'alternance en centre de formation et sur chantier. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous pouvons former du niveau CAP jusqu'au master sur les métiers du BTP. Oui, le contrepoint, c'est un répétage d'expérience. Je travaille toujours en binôme. J'ai demandé des questions, ils sont très formatifs. Ils m'apprennent les choses. J'ai travaillé, comme je l'ai dit, en binôme. J'ai travaillé avec les blancheurs et après j'ai travaillé avec les coffreurs de planche. Alors on devient professionnel avec plus ou moins de temps, mais on évalue qu'après l'obtention d'un premier niveau de qualification en visant certains métiers, on devient professionnel avec une moyenne de 3 à 5 ans sur ces parcours-là. Nous, sur BTP CFA Marseille, nous réalisons des enquêtes d'insertion auprès de nos apprentis pour connaître leur devenir. Auprès de nos apprentis diplômés, dont nous avons plus de 85% de taux de réussite aux examens, tous métiers confondus et tous niveaux confondus. Sur ceux sortant du CFA, ils ont un taux d'insertion professionnel de 80%. 62% d'entre eux sont embauchés en CDI, 10% ont ouvert leur propre entreprise et plus de la moitié d'entre eux sont embauchés par les entreprises qui les ont formés. Que nous aurons toujours besoin de construire, d'entretenir et de bâtir pour l'avenir.